Bonsoir à tous, on se retrouve sur Fab Anniversary. Hop, on recharge la petite partie. Et on reprend l'aventure là où on l'avait laissé. Donc on avait grandi. Et puis là, on sait pas trop ce qu'on va faire, on va s'entraîner sûrement. C'est le diplôme de grand héros d'Albion. Donc c'est reparti, on en était là. Et on a plusieurs points d'intérêt à aller voir du coup. Oula. Et ça. Et les conteneurs est une bonne manière de trouver des objets utiles. Rien d'intéressant. Rien d'intéressant. Ah, waouh, un tatouage. Ok, il faut qu'on apporte un tatoueur pour qu'on repose le motif sur nous. Rien d'intéressant. Rien d'intéressant. Donc, où allons-nous? C'est quoi déjà les touches? D'accord. Ok, donc on va se balader un petit peu. Hein. Dans le nouveau Fab HD de ouf! Ah! Ok, tac tac. Allez, on prend un verre là-bas. Dans le bâtiment. Hello. Écoutez, je dois faire une tarte aux pommes pour le maître de la guilde à la fin de la semaine. J'ai des pommes. Mais je n'arrive plus à trouver de pommes rouges. Et il m'en manque seulement 4. Si vous en trouvez, rapportez-les-moi, je vous récompenserai. Pas de souci. Alors non, on a déjà trouvé des pommes en plus. Mais bon, c'était il y a genre dans le jeu, allez on va dire 5 ans. Donc elles sont peut-être un peu pourries. Alors... Petite quête easy peasy. Et donc comment je fais pour voir combien j'en ai? Alors... Bien. Alors... Ah, là j'en ai 4. Je vais débuter un peu aux touches parce que... Enfin, ça va se faire petit à petit. Hein. Vous dégoter ces pommes. Merci. Merci beaucoup. Le maître de la guilde aura sa tarte. Ouais. Prenez ceci. Ok. Elle avait un reste de tarte aux myrtilles. Qui date de je sais pas quand. Donc. C'est fait. On va pas aller voir le. Notre. On va essayer d'aller. Hop là. Voilà. Enfin, la petite quête annexe. Là c'est toujours les mêmes deux mecs là qui discutent. La course, c'est pour les crétins de toute façon. La course, c'est pour... J'ai pas compris, ok. Et donc il y aura un truc à faire là-dedans. Comment a-t-il fait? Je gagne toujours les compétitions de la guilde. En haut, peut-être. Peu importe la durée du périple, il faut protéger l'oracle à tout prix. C'est bugué, j'ai déjà fait ça. Ok. Ah oui, non, d'accord, en fait, je l'avais pas fait. Parce que... D'accord, en fait ça a rechargé un peu plus tôt, sauf que j'ai demandé à passer l'enfance, etc. Et du coup... Avouez-le, vous n'êtes pas si rapide.
Tout est rentré dans l'ordre. Bon bah du coup on a plus qu'à aller voir le guide. Maz, je sais pas qui là qui nous attend. Encore en retard. Vous avez... Oh. Laissez votre bâton de côté. Ah. Nous commençons l'entraînement à armes réelles. Habituez-vous au poids de cette épée et essayez de toucher Whisper avec. Ah. J'ai une épée. Allez, voyons de quoi tu es capable, fermier. Elle a un bâton, quoi. Hey. Merde, comment on fait pour prendre l'épée? D'accord, RB. Allez, frappe-moi. Qu'est-ce que t'attends? Tiens, on me frappait, j'adore. Un coup de chance. Soyez attentifs, ce que je vais vous apprendre pourrait vous sauver la vie un jour. La vie d'un héros est dangereuse. Vous devez apprendre à bloquer les attaques de vos ennemis si vous voulez vivre longtemps. Whisper va vous attaquer, mais vous pouvez bloquer ses coups avec votre arme. Tous les coups ne sont pas parables, mais vous devriez pouvoir bloquer toutes les attaques de Whisper. Vas-y. Ah! Esquive! Comment as-tu paré ça? Bah ouais, hein. Hop là! Esquive! Esquive! Ça ne marche pas à chaque fois! Ding! Attaque! Easy! Bien. Voyons si vous pouvez combiner attaque et défense. Bonjour, Tonnerre. Vous êtes venu voir les progrès de votre sœur? On peut dire ça. Whisper m'a dit qu'elle s'entraînait avec un fermier. Maz pense qu'il possède un grand potentiel. De taille à faire face à ma petite sœur. Nous allons voir. Whisper et le garçon s'entraînent à la mêlée en ce moment. Voyons lequel des deux a le plus appris de son entraînement. Tous les coups sont permis, comme pour l'examen final de mêlée. Préparez-vous. On va s'entretuer. Boum, boum, boum. Qu'est-ce que tu fais là? Boum, boum, boum. Ça ne va pas du tout, Whisper. Tu dois travailler plus. Vous ne m'avez jamais vu dans l'arène. Dommage, vous auriez appris un truc ou deux. Continuez l'entraînement si vous voulez y aller un jour. Il y a une arène. Sans votre intervention, je l'aurais bien battu. Nous manquons déjà cruellement de héros. Il est inutile de vous étriper ainsi à l'entraînement. Parlez-moi pour passer à la prochaine étape de l'entraînement. Je serai sur le champ de tir. Ah, et au sujet de votre performance? Excellent. Combattez comme ça à l'examen et vous serez parfait. Merci. Continue. Retrouvez-moi ensuite au champ de tir pour poursuivre votre entraînement. Eh ouais, j'ai détruite. On a des nouvelles quêtes qui sont apparues. Regarde, attends. Il est louche. Y a-t-il des apprentis pour un entraînement? C'est le dernier jour. Ce combat en mêlée contre Whisper compte donc. Hein? Ah, déjà? Bah, non. Revenez quand vous voulez pour l'entraînement. Oh, quoi que. C'est le dernier. On va t'évaluer. Whisper et vous, montez. J'ai un prix spécial pour vous. Allez, on va la défoncer comme tout à l'heure. Et voilà. C'est bon, vous pouvez arrêter. C'était très impressionnant. Whisper sera vexé. A plus. À ce niveau, je peux vous offrir une nouvelle arme. Yes. Katana de fer. Alors, info. Oh, dégâts plus 2. Nickel.
Donc, pour changer d'arme. Équipement. Hop. Katana de fer. Là, équipé. Hop là. Quelle leçon pour Whisper. Ok, nickel. Donc là-bas, c'est toujours les mecs qui parlent, j'ai l'impression. Je ne suis pas le plus rapide, mais je dois bien être... Laissez-moi donc tranquille. Hein? Ouais. On a plus rien à faire avec lui. On va au champ de tir. Êtes-vous prêt pour votre entraînement à la... Oui. Continuons l'entraînement avec l'arc. Ouais. Commençons par voir si vous pouvez toucher les trois cibles immobiles. Je pense quand même. Et mettez-y de la force. Plus vous tendez la corde de l'arc, plus vous infligez de dégâts. Attention à bien rester dans le cercle. Mmh. Alors... Ok. Ensuite, verrouillez la cible. C'est easy. Bravo! Vous avez touché toutes les cibles. Ah oui. Mais les ennemis ne restent pas immobiles. Passons maintenant à des cibles mouvantes. Vous avez une minute pour faire le maximum de points. La cible de devant vaut 1 point. Celle du milieu en vaut 3. Et la cible de derrière rapporte 9 points. Souvenez-vous, plus vous tendez la corde de l'arc, plus votre tir inflige de dégâts. Plus de dégâts égale plus de points. Mais il faut doser puissance, précision et cadence de tir. Voyons ce que vous valez. Elle. Allez, gars, sortez votre arc. Ok, ok. Ah ouais. Merde. Merde. Ça, c'est évident. Quelle merde. Touché. Ah, fuck. Joli tir. Merci. Ah, les chaussures, là. Hein. Ah! Merveilleux. Touché! Bon, je vais faire très un sort de ouf, hein. Très joli tir, gars. Faites ça à l'examen et je serai impressionné. Merci. Nous verrons ensuite la voie de la volonté. Ok. Parlez-moi quand vous serez prêt à continuer l'entraînement. Je serai sur l'île près des cascades. Ça roule. Ah, il y a tout un tas de nouveaux PNJ qui sont apparus. C'est le même mec qui va faire l'examen, c'est ça ? Je suis l'évaluateur. Pourriez-vous m'indiquer le champ de tir ? D'accord. Ok. Et. Ah. Oh, satané. Il me faut quelqu'un pour tuer les moineaux qui nichent dans la guilde. Les sales petites vermines. Ils t'ont rien fait, les moineaux ? Bah oui, allez, on va les tuer. Ces maudits moineaux sèment la pagaille dans la guilde. Regardez-les. C'est vrai qu'il s'aime pas. Je vous paierai 5 pièces d'or par mouette tuée. C'est des moineaux ou des mouettes? Venez me savoir. Voir à chaque fois que vous tuerez une maudite mouette. Ok. Alors. Ah putain, ça c'est chiant par contre.
vas mourir. Vous avez tué Lance. Ah, vous en avez... Il y en a encore d'autres. On sent que le vieux a quand même un peu vieilli par rapport au contrôle. Ouais. Y a-t-il des apprentis pour une... Le maître Allez. De la guilde m'a demandé de... On y va. Si vous obtenez un plus, vous, ah, vous avez une minute à compter de... Rapprochez un peu parce que tout à l'heure on était un peu loin. C'est reparti. Essayez de faire un plus live dès le début. Boum! Boum! C'est presque Boom. Passé à travers. Yeah. Ah, fuck. Oh, sérieux? C'est presque passé à travers. Chez. J'ai presque J'ai. Passé à travers. Yes. J'ai. What? C'est assez précis, mais pas assez puissant. Ah, ça va. Bon, c'est pas mal. Nouveau record atteint. Je n'ai jamais rien vu de mieux. Je vous mets un A+. A+, Le A+. Maître de la guilde a dit que je pouvais remettre ceci au plus brillant. Allez, fais-moi un arc. Oh, une arbalète. Pas mal. Eh bien, quelle belle démonstration. Béthane. Je peux pas regarder en l'air. Bon, les moineaux, on s'en fout. On va aller faire la volonté. Bonne. Il nous reste la volonté. Allez, fais péter les sorts. Vous allez apprendre les pouvoirs de volonté. Frappez ces mannequins avec la foudre. Ok, ouais, je fais ça Voyons toute la journée. Voyons ce que ouais. vous savez faire. Alors, RT pour point de volonté. Je sais pas, c'est ça. Bien. C'est ça. Voyons combien vous en touchez en 30 secondes. N'attaquez que les mannequins qui sont tournés vers le centre de l'île. Vous ne marquerez pas de points en les touchant derrière. Vous perdrez seulement du mana. Les pouvoirs de volonté consomment du mana, qui se régénère progressivement. Ok. Usage de la magie. Merci. On continue. Très bien. Vous avez appris les trois disciplines de héros. Nous pouvons maintenant passer au test final si vous êtes prêts. Vous pouvez aussi explorer davantage la guilde. Je crois que Whisper compte aller dans les bois de la guilde si vous souhaitez la rejoindre. Ah. On va Je jouer. Serai dans la salle de la carte quand vous serez prêt à poursuivre. Allez, on va jouer avec Whisper.
Quelle leçon pour Whisper. Ouais, je sais. Allons chasser des scarabées. Je te suis dans les bois. Ok, on y va. On va monter en XP de ouf avec des scarabées. Le nid de scarabée est au sommet de... Oh putain, il y a des brigands! Attends, tu as entendu? Ça vient de par là. Des bandits. Si seulement on pouvait passer cette rivière. Je sais. Si tu utilisais ton arc, ou la foudre que le maître de la guilde t'a enseignée... Toi, t'as rien, toi. Je te soignerai si tu es blessé. Mon Dieu! Et bim! Ah merde, ils sont des... Aïe. Ah, moi! Tu te mets devant aussi. Et bim! Bien joué, on a réussi. Tu as vu leur tête? Ouais, ils sont morts, quoi. Attends un peu que le maître de la guilde apprenne ça. Ah ouais, elle va tout rapporter, elle va dire que c'est elle qui l'a fait, gna gna gna. Je peux pas traverser? Je récupère l'XP quand même. Allez! Ah bah l'XP ça passe pas non plus, putain c'est mal foutu. Hey. Bon bah tant pis. Là y'a un truc à pêcher dans l'eau. La rapporteuse. Quelle leçon pour Whisper. Moi, si j'étais toi, je... Ouais, on y va. J'ai qu'un sort. Quelqu'un pour un entraînement de volonté? Oui. Vous avez 30 secondes à partir du premier éclair pour... Vous savez okay. Qu'un A+, rapporte un prix spécial? Ce serait cool, un autre sort. Allez. Joli. Ah, merde. Oh putain, c'était chaud. Bon sang de bois, ça vaut A+. Le maître de la guilde a dit de remettre ses objets au meilleur de l'épreuve de volonté. Stylé, ça. Accroît votre volonté. Je n'ai toujours pas vu de meilleur concurrent que vous. Thank you, ma'am. Et la volonté, c'est là-haut. Ouais, je pense qu'on peut y aller. Ouah, bel arc. Tant pis pour les moineaux, hein, il doit y en avoir d'autres, mais... Et voilà. Va mourir. Ah, on est méchant en faisant ça.
Bah oui, tu m'étonnes. Allez, file-moi de la thune. Vous en avez tué d'autres ? Bien. Il y en a encore d'autres. Ah, ça ira maintenant. C'était sur ma route, donc bon. Ah, j'ai de l'XP quand même. Un XP. Salut. Je peux vous renseigner. Vous êtes au bon endroit. Les. Quant à assassin. Ouais, mais j'ai pas du tout la thune. Peut-être vendre mon. Épée longue. Bon, on reviendra plus tard. Déjà mal. Qui a dit que la guilde était une partie? Allez, passe à l'âge adulte. Le garçon assimila les enseignements aisément, mais il y avait toujours plus à apprendre. Pendant des années, la guilde fut son foyer, son école, sa vie. Mais à mesure que le temps s'écoulait, ses aspirations se tournaient vers l'extérieur. Oui. La vie qui lui avait été volée, la famille à laquelle on l'avait arrachée. Vint enfin le jour de ses épreuves finales. S'il réussissait, ce serait la fin de son entraînement. Il recevrait le sceau de la guilde et serait libre de forger son propre destin. Il deviendrait un héros. Pour passer le diplôme, vous devez réussir une dernière épreuve. Allez dans les bois de la guilde, jusqu'au tronc sur la colline. L'épreuve vous y sera révélée. Bonne chance. Merci. Il y a toujours des trucs là. Quelle belle démonstration. L'épreuve ultime. Je me demande ce que ça va être. Je parie que tu te demandes comment passer l'épreuve finale. Ouais. C'est simple. Tu dois me vaincre en utilisant tout ce que tu as appris. Easy. L'épée pour commencer. Frappe-moi si tu peux. Ouais. Oh le bâtard. Saisis donc un peu de rage. C'est chiant. Allez, bats-toi. Bien. Maintenant, utilise ton arc. Pas trop près quand même. Et moi, j'ai une arbalète, mon gars. Tu vas faire quoi? C'est vraiment de mieux en mieux. C'est un peu long l'arc hein, quand même. Boum. Excellent. Pour terminer, lance-moi le sort foudre. Hé, hey, pas de problème. Impressionnant pour un novice. Les vrais combats sont beaucoup plus dangereux, bien sûr. Tu as réussi l'épreuve finale. Bah, le maître de la guilde va donc te remettre ton sceau de la guilde. Okay. Est-ce qu'il n'y aurait pas un truc caché là, tu vois, un truc qui va m'arriver maintenant? Je m'attendais à plus dur. Bon.
Eh bien, c'est le grand jour, garçon. Je me souviens du jour où vous êtes arrivé, et regardez-vous maintenant. Maz avait raison de croire en vous. Allez, venez. La cérémonie aura lieu dans la salle du destin, la partie la plus ancienne de la guilde. Cérémonie. Que s'approchent les apprentis. Je suis là. On est que deux à réussir. Depuis des années, vous travaillez dur pour mériter le titre de héros. Aujourd'hui, votre apprentissage prend fin. Vous partez pour accomplir de grandes tâches. Des faits qui resteront dans le cœur des gens. Ouais, méchant, nous. Ou qu'il est terrifiant. Ah, c'est nous, ça. C'est une époque troublée. Les ombres d'Albion s'éveillent et des vents étranges soufflent. Sauron. Vos choix, qu'ils vous conduisent sur la voie du mal ou du bien, changeront la face du monde. Prenez votre sceau de la guilde. Vous êtes des héros. Ouais. Merci, merci. Bon bah voilà, on va pouvoir attaquer la vraie histoire. Le jour du départ, mon garçon. Vous êtes plus que jamais membre de la guilde. Sur la table de la carte, vous trouverez des détails sur les quêtes que les héros d'Albion peuvent accomplir. Et vous reviendrez souvent pour transformer votre expérience en compétences. Ce n'est que comme cela que vous progresserez en tant que héros. Venez à la lumière et je vous expliquerai comment faire. Bon bah nickel, et bah on va s'arrêter là, comme ça on commencera une nouvelle quête la prochaine fois. Donc à la prochaine, venez salut. À la lumière et je vous expliquerai comment faire.